J'appelle Madame Cécile Dimoimoy. Madame Cécile Dimoimoy est déléguée du Grand Prix humanitaire de France. Et aujourd'hui, nous décernons une médaille à Madame Chantal Biya, première dame de la République du Cameroun. C'est avec grand plaisir que le Grand Prix humanitaire de France honore aujourd'hui au Sénat la première dame de la République du Cameroun, représentée par Madame Cécile Dimoimoy, déléguée du Grand Prix humanitaire. Mère dévouée, Madame Chantal Biya chérit naturellement les enfants et les aide à s'épanouir en leur donnant des bases solides, tant sur les plans de la santé que par l'éducation. En 22 ans, à travers trois organisations non gouvernementales qu'elle a fondées, et grâce à la fondation qui porte son nom, Madame Biya participe activement à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, en particulier en faveur des filles, des orphelins et les plus démunis. À ce titre, plusieurs écoles, dénommées champions, sont construites dans les 10 régions du Cameroun. Elle a fait œuvre de révolution en mettant sur pied une école pour tous, unité qui accueille des enfants souffrant d'autisme. Il faut souligner que Madame Biya s'occupe personnellement de quelques pensionnaires autistes de cette école issus de familles pauvres. Active sur le plan de la santé, elle s'attaque aux maladies. Outre la Fondation Synergie africaine contre la sida et les souffrances, la première dame a créé plusieurs centres de santé, notamment le centre santé mère et enfant, qui offre plusieurs spécialités dans les unités de cancérologie et de pédiatrie générale. Sa mission consiste tant dans la prestation des soins aux mères et aux enfants que dans la formation et la recherche. Elle a mis en place le Centre international de référence pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-SIDA, regroupant d'éminents professeurs du monde et présidé par Luc Montagnier. En créant ce centre, elle a considérablement contribué à améliorer la prise en charge des malades, notamment par une baisse de coût des médicaments et d'accès aux centres de santé. À travers le Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, elle a multiplié les dons et aliments, vêtements, médicaments, en soutenant des activités des associations qui luttent contre la pauvreté et qui renforcent la cohésion sociale. Elle apporte son appui au centre d'accueil pour enfants abandonnés, des handicapés et des vieillards déshérités qui ne sont pas oubliés pendant la célébration de la fête de Noël. Nous ne pourrons pas mentionner toutes ces œuvres gigantesques, mais je voudrais résumer son œuvre à travers ses propres mots. Je suis heureuse à chaque fois que j'ai le sentiment de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des plus déshérités. L'espoir que suscite le sourire d'un enfant me procure un plaisir immense. Fin de citation. Son dévouement pour les causes sociales et humanitaires lui a valu plusieurs distinctions internationales, que le mérite d'ambassadrice spéciale de l'ONU SIDA pour son œuvre de pionnière dans la lutte contre le VIH. Elle a été également nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, rejoignant ainsi l'illustre Nelson Mandela. Aujourd'hui, en reconnaissance de ses actions humanitaires et bénévoles exemplaires, le Grand Prix humanitaire de France a le grand plaisir de décerner à Madame Chantal Biya la médaille lauréat or avec cordon et son parchemin d'honneur. En son absence, nous remettons cette distinction à Madame Cécile Dimoimoy, qui se chargera de lui transmettre. Félicitations. Merci. Merci.
Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, membres du Grand Prix humanitaire de France, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté la candidature de la Première Dame de la République du Cameroun, Son Excellence Madame Chantal Biya, que j'ai présentée et soutenue en ma qualité de déléguée de Grand Prix humanitaire de France au Cameroun. Et en outre, de l'avoir honorée de la médaille lauréat d'or avec cordon et le parchemin d'honneur, la plus haute distinction du Grand Prix humanitaire de France. En reconnaissance de son engagement humanitaire et social au Cameroun depuis plus de 20 ans. Madame Chantal Biya, c'est exactement 22 ans de combat pour l'humanitaire à travers des organisations non gouvernementales. Je suis très heureuse et très émue aussi de recevoir en ces lieux cette récompense prestigieuse dont je me ferai plaisir de remettre à notre Première Dame. L'honneur qui m'est fait ainsi me semblerait trop lourd pour mes épaules si je n'avais pas moi-même été déjà honorée de cette distinction dans le cadre de mes activités. Et si je ne savais pas que je le partage avec les Camerounais et tous ceux qui croient en l'action humanitaire. Honorée de cette distinction car humble défenseur de la cause sociale et humanitaire à travers l'association Intégration juridique économique que je préside depuis 10 ans. En même temps, je suis heureuse de porter cette nomination de Madame Chantal Biya qui croit vraiment en l'humanitaire. Tant ses réalisations sont éloquentes et maintiennent les espoirs de tout un peuple pour une vie meilleure. C'est pourquoi 2 mots me viennent immédiatement à l'esprit, fierté et rayonnement. Fierté, certes, le travail de Madame Biya est loin d'être terminé. Il nous reste tant de paliers à franchir. D'aucuns diront sans doute à juste titre qu'il reste encore des abîmes qui séparent les défavorisés et les autres dans notre pays. Mais ce travail de réduction des abîmes s'inscrit dans la voie d'une humanitaire durable entamée par Madame Biya et toutes les autres associations humanitaires sur notre territoire. En conséquence, je suis fière de porter haut notre drapeau du Cameroun et souhaite partager cette même fierté avec notre Première Dame ainsi qu'avec tous nos concitoyens. Je suis fière que tous ensemble, nous prenions l'engagement de bâtir une société camerounaise solidaire dans laquelle les Camerounais pourront marcher la tête haute, sans crainte, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. La décoration de Son Excellence Madame Chantal Biya nous rappelle que l'entraide et la solidarité sont des valeurs universelles et apolitiques nécessaires à l'épanouissement de tous dans une société plus que jamais traumatisée par des violences meurtrières. À Madame Chantal Biya et à tous les humanitaires, je vous invite à unir et à intensifier nos combats sur tous les fronts, migrants, camps de réfugiés, pauvreté, chômage. Relâcher nos efforts à présent serait une erreur que nos contemporains ne nous pardonneraient pas. La vision humanitaire qui pointe à l'horizon devrait nous encourager à redoubler nos efforts et à préparer un avenir de respect d'autrui, de partage et de bien-être pour chacun et pour tous, pour la liberté. Je vous remercie.